Salut tout le monde, c'est Cordox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 5 des bouteilles d'alcool les plus chères. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Sur ce, c'est parti. En 5ème position, il s'agit du NSX Beauté du siècle qui coûte 150 000 $. Donc ce cognac, c'est le fruit d'une sélection parmi une centaine des meilleures eaux de vie existantes. Le plus vieux date de 1907 et provient directement de la cave personnelle de la maison NSI. Cette bouteille, elle s'est vendue à un prix de 150 000 $ en exclusivité dans l'aéroport d'Amsterdam. En 4ème position, il s'agit du Splush Tequila qui coûte 250 000 $. Donc cette bouteille, elle a été réalisée par 32 orfèvres mexicains. Donc des orfèvres, pour ceux qui ne savent pas, pardon, c'est un peu l'équivalent des bijoutiers. Donc vous imaginez quand même 32 personnes sur une bouteille, c'est vraiment énorme. On comprend le prix des 250 000 $. En 3ème position, il s'agit de la Diva Vodka qui coûte 1 060 000 $. Donc cette vodka, c'est le fruit... Donc le résultat de 3 distillations successives, d'abord à travers de la glace, ensuite à travers du charbon de bois nordique et enfin à travers du sable fait de diamants pillés. Donc chaque bouteille contient à l'intérieur un petit récipient contenant des pierres précieuses et des diamants, donc tout le prix des 1 060 000 $. En seconde position, il s'agit du Russo Baltic Vodka qui coûte 1 300 000 $. Donc c'est la vodka la plus chère du monde et pour cause, donc elle a été tout simplement fabriquée est construite donc par le constructeur automobile russo-baltique de la Dart Stevie Corporation et de la princesse Regina Abdurazakova du Kazakhstan. Et enfin, en première place, il s'agit du Henri IV Dudognon Héritage Cognac qui coûte 2 000 000 $. Donc cette bouteille, elle est en cristal, enchâssée dans pas moins de 4 kg d'or, 24 carats et de platinium et composée de 6500 brillants taillés par le joaillier Jos Dalavos. Donc cette bouteille reste et est la plus chère au monde. Voilà, c'est la fin de ce top 5, j'espère vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Cordox, allez, ciao!